Salut à tous. Le Cameroun compte environ 25 millions d'habitants. Si on considère que seulement 20% de cette population consomme l'alcool, alors ça fera environ 5 millions de potentiels clients dans les villes telles que Kousséri, Limbé, Djoum, Monatele, Tchan et j'en passe, Sambilema et autres. Ceci est observé même dans les villes telles que Yaoundé. Si on considère à présent que sur ces 5 millions de personnes, chaque personne consomme environ 3 bouteilles par semaine, soit donc par exemple le lundi, le mercredi, le samedi, et qu'on garde en mémoire qu'il s'agit en fait de 5 millions de personnes, alors ça nous fera au total 15 millions de bouteilles chaque semaine. Il peut s'agir entre autres de simples pots, de jus, vin blanc, canette, lait, ou en tout cas tout autre type de produit importé depuis l'étranger. En tenant en compte que le confinement aura duré 8 semaines, cela fera environ 120 millions de bouteilles qui n'ont pas été consommées. Si on considère à présent que chaque bouteille coûterait environ 500 francs CFA, alors ça fera au total 60 milliards de francs CFA épargnés par les Camerounais durant le confinement. À présent, la question est celle de savoir que feront les Camerounais de toute cette économie forcée qui a été faite pendant toute la période du confinement. Moi, je vous invite tout simplement à consommer exclusivement les produits camerounais, que ce soit donc les produits consommables, les formations ou tout simplement visiter les bureaux d'études camerounais lorsque vous avez vos projets personnels. Cet argent peut également être investi dans différents types de projets, qu'il s'agisse de l'agroalimentaire, des finances, de l'éducation, ou en tout cas, tout autre type de projet que vous allez mesurer et juger intéressant par rapport à votre domaine de compétences. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons aboutir à ce que j'appelle très simplement la réussite collective. Ceci était le numéro spécial, le numéro 10 de votre chronique matinale du vendredi. Il ne me reste qu'à vous demander de partager la vidéo si vous l'avez aimée.